today's stars, tomorrow's leaders. Sport au programme ce mois-ci, l'élection du russe Oleg Mitytsine à la présidence de la FISU. La création de la première ligue universitaire de hockey sur glace en Suède. Nous nous pencherons sur le modèle de l'université d'Östersund avant de rencontrer la gardienne chinoise de l'Olympique lyonnais, Fei Wang. Numéro de campus débute avec la 34e Assemblée Générale de la FISU qui s'est tenue à l'Université de Lausanne. 128 pays s'étaient réunis pour élire un nouveau conseil exécutif et c'est Oleg Mitytsine qui a été nommé président pour les 4 prochaines années en battant le français Claude-Louis Gallienne à la tête de la fédération depuis 2011. Avant d'être élu, le russe de 51 ans avait dirigé la délégation de son pays pendant 10 ans. Nous l'avons rencontré pour en savoir un peu plus sur ses futures actions. Toute notre philosophie à la FISU, c'est l'organisation d'un événement, des épreuves sportives éducatives, avec un seul objectif, créer les meilleures conditions pour montrer l'unité parmi les étudiants et montrer qu'on fait tout pour leur avenir. Comme on dit, les stars d'aujourd'hui, les leaders de demain. Cela fait 15 ans que le nouveau président est engagé dans le développement du sport universitaire. Mitytsine vient de Moscou et possède un diplôme en éducation physique ainsi qu'un master en sciences pédagogiques. Vice-président du comité d'organisation des universiades d'hiver de 2019, Oleg Mitytsine nous a livré sa vision de la vie en général ainsi que ses objectifs au sein de la FISU. De quoi cerner un peu plus la personnalité du nouveau président. Professionnalisme, plaisir et vision de l'avenir. J'aime la vie, donc ce travail est un vrai bonheur pour moi. Chaque jour, nous devons penser à nos enfants et à notre avenir. Pour Oleg Mitytsine, il est également impératif que les fédérations continentales ainsi que la Fédération nationale du sport universitaire travaillent en étroite collaboration avec la FISU. La FISU qui doit, selon lui, s'ouvrir davantage. Le monde change tellement rapidement et malheureusement, ces changements ne sont pas faciles à prévoir. Demain reste imprévisible. Mais en tant qu'organisation internationale, nous devons d'abord avoir de très bonnes informations de la part des pays, des continents, savoir ce qui s'y passe. Parce que nous sommes juste un conseil d'administration et nous créons une vision, une stratégie. Et au travers de nos pays membres et des fédérations nationales universitaires, on pourrait réaliser nos programmes. Le nouveau président de la FISU souhaite renforcer les liens entre les fédérations sportives et les organisations internationales telles que l'UNESCO, mais il aimerait également faire avancer certaines questions comme la place de la femme dans le sport ou encore l'éducation des jeunes. Toutes ces problématiques sont d'ailleurs réunies dans le Welfare Programme. Concernant ce programme du bien-être, de nombreux aspects doivent encore être résolus. D'abord, le problème du dopage. Nous devons apprendre aux jeunes générations comment agir et comment se protéger du dopage. Nous devons être ensemble et au travers des universités, avec les universités et les fédérations continentales, nous allons être actifs de la manière la plus directe au niveau national. Chaque université, et de plus en plus d'universités, devrait être impliquée dans notre activité. Each university, more and more universities should be involved in our activity.
Être en permanence en lien avec la nouvelle génération à travers les universités, voilà l'un des objectifs de l'EGMA Ticine. Le président de la FISU, dont l'action vise principalement les étudiants qui tentent de combiner éducation et carrière sportive. Nous devons être très ouverts avec eux, être parmi eux. Et nous devons le montrer. Nous sommes une organisation pour eux. Ils font partie de cette organisation. Nous faisons tout pour eux, pour créer les conditions qui leur sont le plus favorables, pour qu'ils se réalisent à travers le sport. Car le sport est un outil unique, comme un modèle pour notre vie. À travers le sport et l'éducation, le président de la FISU souhaite réunir les étudiants qu'il considère comme la partie la plus active d'un pays, leur donner les meilleures chances possibles pour leur assurer un meilleur avenir. C'est dans la capitale olympique, à Lausanne, en Suisse, que se trouve le siège de la FISU. Lors du premier jour de l'Assemblée générale, le président du CIO, Thomas Bach, a tenu à accueillir lui-même les personnes présentes. Lui qui a participé deux fois aux Universiades est un parfait exemple de réussite, avoir été champion d'escrime tout en menant à bien ses études. Le CIO représente les valeurs d'excellence, d'amitié, de respect. Et ces valeurs sont partagées par la FISU. En plus, nous avons en commun quelque chose d'important qui nous mobilise, c'est l'éducation. Nous faisons la promotion de nos valeurs dans l'éducation. Et pour être tout à fait clair, le sport doit constituer une part importante de l'éducation. Et du coup, nous sommes ravis de travailler plus étroitement avec la FISU. Depuis 50 ans, le CIO et la FISU travaillent main dans la main et ont donc créé des liens très étroits. Thomas Bach est formel, ce partenariat est crucial et doit impérativement perdurer. Le CIO soutient donc le projet de la FISU et d'après son président, il est possible d'aller encore plus loin. Nous soutenons quelques projets de la FISU en relation avec le développement éducatif. Nous sommes aussi toujours en contact en ce qui concerne les Universiades et les Jeux Olympiques. Ça signifie un nouveau plus technique. Et de ce point de vue, je pense qu'on peut encore s'améliorer et faire davantage pour l'éducation. Now that the United Nations Les Nations Unies ont adopté des objectifs de développement durable et énoncé clairement que le sport est un outil important pour les atteindre, surtout au travers de l'éducation. Restez bien avec nous, juste après la pause, nous irons en Suède pour parler de la Ligue universitaire de hockey sur glace. Dans la troisième partie, gros plan sur l'université d'Östersund. Enfin, nous ferons connaissance également avec Fei Wang, gardienne de l'Olympique lyonnais et de l'équipe de Chine. The International University Sports Federation brings together millions of students worldwide around the same values. Excellence in mind and body. Thousands of students, hundreds of universities participate in FISU events, the rendezvous for the best student athletes. Today's stars, tomorrow's leaders. Sous les yeux attentifs des joueurs de l'équipe suédoise, l'équipe russe remporte le tournoi masculin de hockey sur glace des 27e Universiades d'hiver à Grenade. En Espagne, la Suède participait à ses deuxièmes Universiades après celle de Trentin en 2013, mais surtout après 45 ans d'absence. Ce retour aux Universiades, la Suède le doit à une personne en particulier, un étudiant de l'Université royale de technologie de Stockholm, Joachim Ronback-Thomson. Cet étudiant en ingénierie industrielle et management a tout changé en créant en 2012 l'UHL, la première ligue universitaire de hockey sur glace du pays.
Les nuits ont été longues, ça a demandé beaucoup de travail et de bénévolat pour cette ligue. Mais c'est tellement sympa, on est tellement récompensé quand on patine sur la glace, que le public est là, qu'il vous encourage, qu'il crie le nom de l'université. Certains matchs ici à Stockholm et à Lund, on a un public de 400 à 500 personnes pour chaque match. C'est incroyable. Il y a beaucoup d'intérêt ici pour le sport universitaire. Il est venu ici et la première année, il a démarré l'équipe à l'école. Et en même temps, il a créé la Ligue universitaire. Il a démarré les matchs avec les universités. Et je pense que c'est super, il a fait un gros travail. Je ne sais pas s'il fait partie de l'équipe A, mais vous pouvez imaginer le travail que ça représente pour mettre tout ça en place. Il a aussi beaucoup d'énergie pour faire ça. C'est beaucoup de bénévolat, évidemment. Chaque université s'occupe de ses matchs à domicile. Moi, j'essaie d'organiser le calendrier. On essaie de vendre des billets pour les matchs, d'avoir un peu de temps sur la glace pour s'entraîner, ce genre de choses. Et j'espère que dans l'avenir, on verra à l'UHL devenir une institution où les honoraires seront payés. À partir de là, on pourra peut-être se développer et rivaliser avec les meilleures nations dans ce sport. Avec cette ligue universitaire, la Suède peut sélectionner ses meilleurs joueurs pour les tournois internationaux, mais son avenir passe par une reconnaissance de la toute-puissante Fédération nationale de hockey sur glace. On n'a pas encore été reconnu par la Fédération suédoise de hockey sur glace. Il faut qu'on s'améliore là-dessus et qu'on arrive à les impliquer pour renforcer la ligue. Mais jusqu'à présent, ça va. On a 5 universités engagées cette année. L'an passé, elles étaient 4. Donc on essaie tout le temps de développer cette ligue. Premier souci, financer les déplacements en UHL. Une équipe comme celle de Chalmers à Göteborg fait en moyenne 4 heures de voiture pour ses déplacements. Stockholm est à 6 heures et Umeå en Laponie est encore bien plus loin. En train, c'est presque 20 heures et en avion, 4 ou 5. Mais on ne peut pas se permettre le transport aérien, donc on essaie de se retrouver quelque part en Suède pour jouer le match. Mais c'est au printemps, donc il faut prévoir ça à l'avance. Pour l'instant, on n'a pas les moyens de se déplacer à Umeå. Et c'est vraiment dommage, parce que je connais quelques personnes là-bas et je sais qu'ils vont avoir une très bonne équipe. Donc on espère pouvoir arranger ça et ensuite faire grossir ce championnat dans tout le pays. En UHL, les joueurs payent tout eux-mêmes, équipement, déplacement, arbitre et même location de patinoire pour l'entraînement ou les matchs. Pour certaines universités, cela peut poser problème. Ici à Göteborg, c'est très difficile de trouver une salle pour jouer. On a beaucoup travaillé et maintenant on a trouvé quelques créneaux de glace pour l'UHL cette année. L'an passé, on a dû jouer au printemps, après la saison, parce que toute l'année c'était plein. La salle est occupée pendant toute la saison. À Chalmers, vice-champion universitaire en titre, les étudiants assurent tout l'encadrement. L'entraîneur est d'ailleurs l'un des joueurs de l'équipe. On a eu de la chance que je sois blessé cette année. Tant mieux pour eux, tant pis pour moi. Mais souvent, le coach doit aussi être un joueur. Cette année, je suis blessé, donc j'ai endossé ce rôle. Mais ces difficultés n'arrêtent pas tous les joueurs. Certains trouvent en effet dans cette pratique sportive des retombées positives pour leurs études. Je pense que c'est bien d'avoir quelque chose en dehors des études, parce qu'on peut s'occuper l'esprit à autre chose. Quand je m'entraîne, je peux rester concentré pendant une plus longue période, en classe et en dehors. Même si on reste en cours genre 8 heures par jour, même avec les examens, on va sur la patinoire et on peut oublier tout le reste. Pendant 2 ou 3 heures, on n'y pense plus. Donc c'est vraiment très bien pour se détendre et se reposer l'esprit. Équilibre universitaire, attrait du maillot national en compétition, l'UHL a le soutien total de la Fédération suédoise du sport universitaire.
C'est une situation gagnant-gagnant. On a des joueurs de niveaux différents qui vont pratiquer le hockey sur glace, une activité physique. Socialement, c'est très bien. Ils se rencontrent, ils passent un bon moment ensemble et ils peuvent aussi représenter la Suède aux Universiades. À l'origine de toute cette aventure, Joakim Rönnback-Thompson, le capitaine de l'équipe de Suède, sait que la Ligue UHL doit s'assumer financièrement pour continuer à exister, pour se développer et pour peut-être rivaliser un jour avec les grandes nations du hockey. Pour l'instant, on n'est pas reconnu par la Fédération suédoise de hockey sur glace. C'est pour ça qu'ils ne nous aident pas financièrement. Mais j'espère qu'à l'avenir, ils nous reconnaîtront et qu'on pourra faire partie de la Fédération. Et du coup, recevoir des aides et trouver des sponsors pour participer aux Universiades. Mais je ne pense pas qu'on arrivera à ça pour les Universiades de 2017 au Kazakhstan. Peut-être en 2019. Rendez-vous donc en 2017 à Almaty. À suivre dans Campus, comment gérer études et sports de haut niveau? La réponse se trouve peut-être à Östersund. Enfin, nous ferons connaissance avec Fei Wang, gardienne de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe de Chine. The International University Sports Federation brings together millions of students worldwide around the same values: excellence in mind and body. Thousands of students, hundreds of universities participate in FISU events, the rendezvous for the best student athletes. Today's stars, tomorrow's leaders. La Suède abrite l'une des universités sportives les plus performantes de la planète. À 80 km des montagnes dorées, site des grandes compétitions internationales de ski alpin et au cœur de ces plaines enneigées, l'université d'Östersund privilégie la réussite dans le sport de haut niveau chez ses étudiants, tout en leur permettant de continuer au mieux leurs études. Contrairement à la grande majorité des établissements à travers le monde, ici, c'est l'université qui s'adapte aux exigences du sport et qui permet à ses championnes et à ses champions d'être aussi de bons étudiants. Cette université a beaucoup travaillé avec des athlètes, particulièrement des athlètes de niveau international. Par exemple, on offre 5 ans d'expérience pour associer les études avec un sport de haut niveau. Un bon exemple, c'est Anna Hodgson, qui est devenue médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Turin en 2006 et qui obtenait la même année son diplôme de commerce. Et grâce à la flexibilité de l'enseignement, les étudiants d'Östersund brillent régulièrement lors des compétitions olympiques et mondiales. Ils peuvent lire et étudier. Ensuite, on met en place une solution flexible pour chaque étudiant, pour chaque athlète. Quand ils sont en déplacement pour plusieurs jours, ils peuvent revenir et nous leur apportons un soutien complémentaire et des cours supplémentaires. S'ils ont un contrôle, ils peuvent le passer à RuPolding s'ils sont là-bas. Vous pouvez adapter le planning à votre convenance. Et en ce moment, je suis à fond, à 100% sur les études. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Cette année, je serai peut-être à 75% de mes études. J'aurai peut-être fini l'an prochain. Sinon, on verra. Je peux adapter mon planning comme je veux. Sportif prometteur en ski de fond, Björn Sandström vise une place en équipe nationale de Suède. Le jeune homme fait partie de la quarantaine d'athlètes de très haut niveau parmi les 5000 étudiants de l'université. Certaines personnes comprennent ce qu'on fait, d'autres non. Parfois j'arrive en cours et ils ne savent pas que je me suis déjà entraîné pendant 4 heures avant le cours de 10 heures. Mais bon, vous trouverez peut-être que je suis mentalement malade, mais j'aime bien ça.
J'aime bien évacuer le stress de cette manière. Pour réussir le pari du sport de haut niveau, Östersund s'est doté d'un centre de sport d'hiver, un véritable laboratoire d'analyse et de recherche sur la performance sportive, dont bénéficient non seulement les athlètes de l'université, mais également toutes les équipes nationales suédoises qui viennent deux fois par an se tester dans l'établissement. On dispose de la théorie et des résultats pratiques. On sait quelle est la prochaine étape pour progresser. Si vous faites vraiment passer un test à un athlète la semaine précédant une compétition, l'entraîneur peut avoir directement un feedback et voir s'il est en forme. Est-ce qu'on a effectué l'entraînement prévu avant la saison? Ou le surentraînement peut aussi apparaître et aider à corriger l'entraînement avant le début de la saison. Östersund dispose d'une chambre hypoxique unique en son genre qui permet de simuler l'altitude, mais également la température attendue. Ce système permet de s'adapter très rapidement aux changements d'environnement lors des différentes épreuves et d'améliorer le rendement physique des athlètes. Le campus est juste à l'extérieur, donc on peut passer d'un cours à l'entraînement dans le stade. Et ensuite, vous pouvez venir ici, vous entraînez à 5000 ou 2000 mètres par moins 15 degrés pour votre séance d'entraînement. À l'entraînement, les étudiants d'Östersund disposent d'un outil unique, le site même de la Coupe du Monde et des différents championnats du monde de fond et de biathlon. Le stade est à moins d'un kilomètre de l'université. Les athlètes qui ont le privilège de s'y entraîner se sentent difficilement des étudiants comme les autres. Comme je me concentre sur le ski et que j'essaye de rester en bonne santé, je ne peux pas vraiment participer à la vie étudiante, aux soirées et au reste. Ça ne marche pas. Donc c'est super de pouvoir étudier à domicile. Comme ça, j'ai moins de chances de croiser du monde et donc moins de chances de tomber malade. Les journées sont longues. Tous les jours, vous commencez par vous entraîner 2 ou 3 heures. Ensuite, il y a le déjeuner, les cours et puis encore de l'entraînement. L'encadrement sportif qui entoure les athlètes fait preuve lui aussi de la même flexibilité. En équipe nationale, les étudiants sont des exemples pour leurs coéquipiers. C'est super qu'ils montrent que les meilleurs athlètes arrivent à concilier sport et études pour avoir un bagage. La carrière sportive ne dure pas toute la vie. Certains vont jusqu'à 40 ans, mais normalement, vous commencez une deuxième vie. Et c'est bien d'avoir quelque chose d'autre. La Coupe du monde de biathlon s'ouvre ce week-end à Östersund. Les étudiants de l'université seront donc bien présents. Bonjour, mon nom est Fei Wang, je suis gardienne de l'équipe de Lyon et de l'équipe de Chine. Notre athlète du mois a remporté la médaille d'or avec la Chine aux Universiades 2011 à Shenzhen. Découvrons cette gardienne de but professionnelle de 25 ans. Bienvenue chez moi. Après avoir passé une saison à Potsdam, un célèbre club féminin de la banlieue de Berlin, Fei Wang est arrivée en septembre dernier à Lyon pour jouer dans une des meilleures équipes européennes, l'Olympique Lyonnais. Fei Wang a une particularité, elle est la première chinoise à venir jouer en Europe. Alors est-ce que ça représente beaucoup de pression pour elle? Non, ce n'est pas de la pression, c'est plutôt bon. S'il y en a une première, ça veut dire que davantage de Chinoises peuvent venir et donc que le football chinois peut progresser. Née à Dalian, au nord-est de la Chine, Fei Wang a une autre particularité. Elle est grande, 1m79. L'aînée d'une fratrie de 2 filles a hésité à devenir mannequin avant de choisir la carrière de footballeuse. C'est la raison pour laquelle elle a décidé d'apprendre l'anglais par elle-même. Je vais aller à l'université pour apprendre l'anglais. Ça sera mieux pour m'améliorer et c'est bien pour mon avenir. En Chine, j'ai dit aux joueuses que si elles voulaient jouer en Europe, il fallait d'abord qu'elles apprennent l'anglais. C'est vraiment important. C'est l'heure de l'entraînement. Allez, on y va. Ok, let's go.
sacré défi pour Faye à Lyon. L'équipe est remplie de stars internationales en provenance de France, de Suède, de Norvège, d'Allemagne, du Japon et maintenant de Chine. En 2003, j'ai commencé à jouer au foot à l'école. Au début, je n'aimais pas être gardienne. Je voulais être attaquante. Mais mon entraîneur m'a dit que j'étais trop grande, donc le poste de gardienne était plus adapté. À l'époque, personne ne voulait être gardienne dans l'équipe. Donc finalement, c'est moi qui ai pris le poste. Fei Wong a commencé à se faire connaître en 2011 quand elle a participé aux Universiades à Shenzhen. Un moment très particulier pour elle, qui était encore étudiante à l'époque. 2011 est une année très importante pour moi. Ça a changé ma vie et ça a changé mon jeu. Fei Wong a été l'héroïne de l'équipe chinoise en demi-finale contre le Brésil, grâce à ses deux arrêts lors de la séance de tir au but. J'ai été très solide sur les pénalties. À l'époque, j'étais à l'université et je n'étais pas certaine de devenir une grande joueuse, mais ce match a changé ma vie. En finale, la Chine a su renverser la situation pour battre le Japon 2-1 en prolongation et remporter la médaille d'or des Universiades de Shenzhen, une énorme performance. Je pense que c'était une belle finale. Mais j'étais vraiment sous pression après le match face au Brésil car je ne voulais pas d'une nouvelle séance de pénalty. Et puis au final, on a gagné. L'été dernier au Canada, Fei Wong a participé à la Coupe du Monde 2015 comme titulaire pour la Chine. Une super compétition pour elle et les roses d'acier, comme on surnomme l'équipe chinoise, qui a atteint les quarts de finale avant de s'incliner face au futur vainqueur, les États-Unis. Après notre élimination, je suis rentrée à la maison et j'ai regardé la finale entre les États-Unis et le Japon. Ce sont les Américaines qui ont gagné. J'étais triste et je pleurais chez moi. Je me disais que je voulais jouer encore 4 ans de plus, que je voulais encore participer à un mondial. Lyon est l'endroit parfait pour jouer pour Fei, car la prochaine Coupe du Monde aura lieu en France et la finale à Lyon. J'espère vous revoir en 2019 pour la Coupe du Monde à Lyon. Allez, salut! Star aujourd'hui, leader demain.